Prochainement dans Ici tout commence sur TF1, Tessier, Benjamin Baroche, accompagné de Claire et Louis, a convoqué les élèves à l'amphithéâtre. Il annonce que l'Institut Auguste Armand fêtera ses 30 ans le 11 novembre prochain. Des anciens élèves viendront pour l'événement, dont le chef Férigno responsable du cercle, ainsi que les plus grands noms de la gastronomie française. Tessier met la pression aux élèves, Louis dépité dans Ici tout commence sur TF1. Le directeur compte sur l'Institut pour préparer un menu exceptionnel rendant hommage à son créateur et grand ami Auguste Armand. Pour rappel, il avait décidé dès la rentrée de punir les deuxièmes années en confiant ce menu aux premières années, ce qui avait provoqué des tensions. L'entrée, le plat et le dessert seront des grandes revisites de ses plus grandes recettes. Il faudra donc faire des choix. Tessier précise que ce menu lui tient très à cœur. De ce fait, il souhaite confier l'élaboration de ce menu à une personne qui avait un lien particulier avec lui et qui sera la plus à même de revisiter les créations d'Auguste tout en y ajoutant sa touche personnelle. Louis, Fabien Wolfrom, fils d'Auguste Armand, affiche un sourire et pense que le directeur parle de lui. Mais, le fiancé de Charlène déchante lorsque Tessier déclare, elle a été l'une de ses plus proches collaboratrices. Une guerre entre Claire et Louis. Ainsi, Claire Guinaud, Catherine Marchal, la mère de Louis, va gérer l'élaboration de ce menu et se fait applaudir par les élèves. Elle accepte de relever le défi avec plaisir. Le directeur annonce ensuite qu'elle ne choisira que 4 élèves parmi les premières années. Vic demande la date pour connaître ses choix. Claire explique se laisser jusqu'au lendemain pour décider. Louis semble en retrait et se montre dépité. Tessier met un coup de pression aux élèves et demande de ne pas les décevoir. Lorsque le directeur s'en va, Livio, Corentin Pelli, est étonné que Louis n'ait pas été choisi et se confie à Charlène, Paula Petrenko. Cette dernière est d'accord tandis que Livio ajoute que Louis connaît toutes les recettes par cœur d'Auguste Armand. Finalement, après une nouvelle dispute entre mère et fils, Claire est excédée et finira par mettre Louis au défi. Une guerre des brigades va avoir lieu et la compétition entre mère et fils va battre son plein. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1.